Et on est reparti. Alors, on avait dit la dernière fois qu'on allait continuer. Voir où ça nous menait en fait. Mais sinon, on a une sauvegarde. On a une sauvegarde si jamais on le perd lui. Parce que lui, il a des trucs super intéressants. Donc j'ai vraiment pas envie de le perdre. Ok. Ça va, il nous voit pas. Que du bureau administratif. Ça a quoi ça? Réseau de défense automatisé à Aegis. Statut prêt, entrée la commande. Programme un réseau pour cibler les inhaleurs. Désactiver les défenses. Oh. Alors, mise à jour du profil des cibles. Je vais voir un peu. Haha. Ah, amusez-vous les mecs. Putain, mais t'es sérieux? On peut le... Il y avait... Ça se transformait pas en main, le curseur. Enfin bref. Donc on a eu ça, mais on en a déjà une. Ça nous fera en faire une deuxième. Mais on utilise ça sur quoi? De toute façon. On pourrait lui mettre pour le kiff, je sais pas. On s'en fout. Ah, quoi que non, enfin, je sais pas, on s'en fout. Ouais. Hop, let's go, on continue. Piège, alarme. Ah, nickel. Ça va, les mecs, passez un bon moment. C'est con, hein. Ah, mais genre, on a même pas besoin de les combattre, quoi. Ils se sont mis là-bas, quoi. Ah, putain, y'a un grippin. Fais chier. Ah, il faut que je le marque. Déjà, j'étais sûr qu'il allait y avoir un grippin au bout d'un moment. Alors, grippin. Aspen. Voilà. Alors, on fait voir ça. Là, on a un ordinateur. On va sûrement pouvoir faire la même chose. Taper ABC, taper info. Ok. Abaisser le pont. Attention à quand lever, désactiver l'interrupteur de l'administrateur. Nickel. Nickel. Ça va les mecs, passe un bon moment. Ah, on peut complètement les éviter en fait. On n'a pas besoin de les combattre. Parce que là, on peut repartir à gauche, à droite, pardon. Et bah voilà, bah c'est bon. Nickel. Bah attendez, on va refaire le tour, on va vous prendre à revers. Parce que vous êtes tous bloqués de ce côté-là maintenant. Ça, c'est marrant. Hop, on va pas trop se faire chier, on va faire ça. The element of surprise. Ouais, c'était pas trop. L'élément de ta surprise, c'est pas trop ça. Ça, on fait voir un peu le cône. On est bon là. On a les trois ou pas? Putain, on a pas les trois. C'est combien? C'est 6.
Très bien. Encore une fois, on aurait dû faire ça en premier, parce que voilà, ça a plus de pourcentage de faire péter le truc. Mais je fais de la merde, comme d'habitude. Gene pool needs draining. Bam! Très bien. Victoire contre un boss. Attends, je dis ça. Yes! Oh la vache. Ah ouais, c'est chaud là quand même. Allez, c'est chaud là quand même. Je sais pas si j'ai envie de tirer en fait. J'ai pas envie de gaspiller des balles. Putain, ça a gaspillé des balles. Waouh! Ouais, c'est bon. Hein. Super. En plus, il détruit l'armure, l'ours, honnêtement, il est top. Très bien, on n'a pas besoin de la mettre à terre. 3400. Toi, tu tires des quoi? Attends, du 5,56 du coup. Et là aussi, c'est du 5,56, d'accord. Pour une fois que le 5,56 fonctionne. Ah, c'est une blague de Tarkov, ça. Vous pouvez pas comprendre. Si vous jouez pas à Tarkov, vous pouvez pas comprendre. boutique de souvenirs. Ah, du matériel de inhaler, là, on en a pas, hein. Donc c'est bien d'en récupérer, mais je sais pas ce qu'on peut en faire vraiment, si on n'a pas des trucs à construire. Est-ce qu'on peut lui dire de rentrer au QG ou qu'on a fini de nettoyer le périmètre, j'en sais rien. Hey buddy, welcome back. You here to talk or train? Le prochain lance-flamme qu'on récupérera pour Thunder. Je pense pas qu'on lui mettra poison, je pense qu'on mettra autre chose, mais je sais pas encore quoi. Quelqu'un a monté de niveau? Non. Je sais pas encore quoi. Faut pas ouvrir ça? On a sûrement déjà ouvert, mais le skin montre que c'est fermé encore. Rangers, c'est Corporal Woodson. What's going on down there? Man, a lot of foot traffic up here. Sounds like they're sending a squad of breathers down the gondola. Cool. Alors, on a mis quelques inhalateurs sur un appel. Bien reçu. Ah, ça c'est bon signe ça. Des nouvelles armes, c'est pour nous ça. Tenez bon, nous arrivons. J'aime bien parce que nous on est réglo quand les mecs sont réglo. Mais après si c'est des connards, on les laisse crever ou on les tue nous-mêmes. Set yourself free. Ok.
tell all my guests, if you've got what it takes, you can leave anytime you want. Just follow the signs. On a serre, on a là. C'est plus une... Ils essayent plus de nous tenter qu'autre chose, mais c'est... Il faut crocheter, en fait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des trucs... Genre... Ok, je pense qu'il y a pas mal de trucs à récupérer. Alors, attends... On va y aller un par un. Attends, par contre, on va amener elle genre un peu proche parce qu'elle a de la perception. Ok, très bien. Ça c'est de la merde. Putain, ça a l'air d'être un casse-tête chinois quoi. Si je me mets là, ça fait quoi? Et ça coupe ça. Toi, Thunder, là. Ok. C'est quoi le résultat? Ça a fait quoi l'interrupteur? Ah, l'interrupteur c'est pour la porte, lol. D'accord, vous n'avez pas besoin de crochetage en fait. Ok, ça marche. Par contre... Par contre... Now let's see if you can cut it in a high stress environment. Oh god. Please, if someone is there, help me. Help me die. I've been here for... Qu'est-ce qu'elle est stylée cette armure? Voilà, examinez les blessures de l'homme, euthanasier, placez votre main sur la gorge de l'homme. Essayez de respirer, tuez, jetez le corps inanimé à l'homme sur l'interrupteur pour l'abaisser. Waouh. Examinez les blessures. Probablement causé par des lames rotatives, il n'a jamais la moindre chance de sauver la vie. Elle a disparu quand la gangrène s'en est mêlée. Ah, ok, on peut pas... Thank you. Ouais. I thought he had a lot of good years left. Come on now. Chop chop. Elle prend quasiment aucun dégât. Elle résiste à l'empoisonnement. Arrête de te prendre pour Ransom Jack, toi. Sérieux. Elle prend quasiment rien et elle a même pas pris le poison. Elle est super, Thunder. Elle est super.
Seb qui va ouvrir la marche. Ah, des explosifs dessus, d'accord. Ouh, casse de commando, ça c'est cool. Oh. Cléo, une beauté peu débrouillarde. Okay. Stinger, on a déjà un. Lance de la mort. Lance de la mort, c'est ce qu'on utilise, je crois. Yes, du coup, elle pourrait utiliser le lance de la mort. De toute façon, on va le changer bientôt, celui-là. Après, personne n'a besoin... Ouais, il y a gros dur, c'est pour ça que gros dur, on le garde, mais... ouais. Ça va. Il y a des lapins. Voilà. Est-ce qu'elle a déjà un bonus, honnêtement? J'ai l'impression de tricher avec ce bug là. Est-ce qu'on peut pas l'enlever? Faut qu'on sauve l'ourson. Bien. 95% et tu loupes, j'adore, j'adore. Cible bloquée. Cible bloquée. Ouais, on n'a pas vraiment le meilleur endroit, donc c'est du crochetage. Là. Je sais pas assez. Ou si, ou peut-être. Ouais. Très bien. Oh la vache. Pas mal. Nickel. Moi j'allais tirer sur les tonneaux de toute façon, honnêtement. Donc bon, il pareil au même. Alors on a un petit ourson. Ah, c'est le même, pareil. Ok, nickel. Attends, 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 attends! Explosif, fuite. Voilà, c'est fait pour ça. Je l'avais dit, hein, qu'on en aurait besoin. Voilà, nickel.
Sinon on a, ouais, on a récupéré un autre Stinger. Non, on s'en fout un peu, on a déjà celui-là qui est un peu augmenté en plus, il a un viseur laser ultraviolet dessus. faudrait qu'on tire un peu au Rocket, ça fait longtemps. Après, c'est rare hein, qu'on en ait besoin. Mais... Waouh. Ça fait quoi ces trucs? Ouais, c'est quoi? On a pris un niveau. Elles n'ont rien pour le moment. Il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'on va lui mettre un jour ou l'autre parce que là, là ça devient un peu débile. Ouais, comme j'ai dit, ouais, peut-être la survie à la limite. Ouais, survie. Après l'embuscade enchaîne, honnêtement, alors oui, c'est intéressant sur papier, mais elle. Elle va jamais tuer les trucs en une fois. Hein. C'est... Non. Ça va jamais le faire, donc... Ça sert à rien. Quoi. Meilleur sniper qu'on ait, c'est Fury. Yes, on est arrivé derrière eux. Donc ça valait le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça va, ça fait quoi ça? Tourelle, tourelle. Donc on pourrait désactiver les tourelles. Ouh, il y a un gros monsieur. Federico. Ah ouais, ils sont bien équipés ces connards. Alors les tourelles, on pourrait les... Ouais, les programmer, les reprogrammer. Mais bon, elles sont super loin. Donc du coup, on va pas le faire. On va faire ça. Je sais pas si ça va pas activer le combat. Par contre, ah non, ça va. Ouais, c'est pas mal. Let's go. Toi, t'es dangereux, toi. Bombardier Nox. Oh la vache. Bien joué. Oh, beautiful. C'est quoi ces musiques? More spacious sky. C'est des explosifs ça ou pas? Non. Enfin, je sais pas. C'est rouge. Non, ça c'est réservoir de pétrole. Non, ça c'est la défense. Ça va me rendre fou, cette musique. Là, on a un connard ici aussi, putain.
Je vais tellement avoir des problèmes avec les musiques, moi, sur les vidéos YouTube. Trop ce qu'on pourrait faire. Ouais, bof. Ok, let's go. Très bien. Ça a rien fait. Ça a fait quoi, 3 dégâts? Je sais pas. Oh, nickel. Ah ouais, non, mais t'es mal tombé, mec, hein, si tu veux... Si tu veux brûler Thunder. Hein. T'es vraiment mal tombé, hein, t'imagines même pas. Let's put the odds in our favor. 3500, c'est même pas un critique. N'importe quoi. Y a plus de musique du coup. Je sais pas, mettez quelque chose quand même. Mais il reste plus grand monde en fait. 1, 2, 3, 4. Mais c'est ça votre défense de merde! Ben putain. L'autre il avait les chocottes et tout ça, mais en fait votre défense, mais c'est de la merde. Par contre, ça va être chaud de la toucher. Hein. 72%. Je sais pas, je réfléchis sur... comment faire les choses, mais pas grand chose à faire en fait. Tête. Voilà. Ah, quand tu veux, tu peux, hein, mais bon, c'est que tu veux pas souvent en fait, c'est le problème. Alors toi t'es à côté d'un réservoir de pétrole, mais bon, tu... T'es monsieur feu, donc j'imagine que tu peux pas brûler. Ouais, je vais avoir un problème avec Zeus. Faut qu'on bouge Zeus si on veut faire quelque chose. Je touche rien de spécial là, non ça. Je n'ai pas regardé les pourcentages. Bon, apparemment, c'était suffisant. Vas-y, essaye de brûler Thunder, s'il te plaît. Fais-moi rire. Vas-y, refais encore un coup de lance-flamme dessus, ça. Je vais encore rigoler un peu. Allez. Okay. On a ça, bras, réservoir d'explosion, bras. Ouh, jambe, saignement. Nickel. It's good mirrors can't talk or laugh. Toi qui m'embête, mais t'as à côté d'une boîte en plus, j'ai pas vraiment envie de tirer comme un fou. Super, déjà quoi, ouais, tu viens de mettre des belles balles dans la boîte, c'est bien. Bon, moi ça fait mal maintenant, cette arme, j'avoue que c'est déjà ça.
Ah merde, ah merde. Oh, on entend la musique de 900. Enfin la sirène. Et c'était à brûlure. On va se faire défoncer par Winnie l'ourson et un clone quoi. On arrive 911. Encore une fois, j'aurais dû, comme d'habitude. Toujours la même connerie que je fais, c'est bien, ça me fait plaisir. Alors, Fury, du coup, t'as vu sur rien. On va se mettre là. Jody, tu vas faire pareil. Après quoi? Voilà. Bon, 1000 dans la tête là. Ah oui, il y a toujours lui, putain, j'avais oublié. Oh là là, merde. Truc qui va me péter à la bouche. ...548, le lance-lame. T'es qu'à critique sur ça, là. T'es gars critique du lance-flamme, quoi. Un peu abusé. Nickel. Pardon. Pardon, il s'est pas tiré, c'est pas de sa faute. Il s'est pas tiré. Bon, ça va, ils ont encore un peu d'HP. On a plus de musique, plus rien. Il n'y a pas de protection. On va se mettre là. Oh, le 500. Tu kiffes le 500? Nickel. Adieu. Ah. Bon bah Jody, cible bloquée. Yes, nickel. Alors, fais-moi rêver. Genre un méga super lance-flamme. M19, on a déjà un. Clé du bâtiment du T-siège. Tu m'as rien filé, le boss? Ah, putain, c'est triste. Ah, on les défonce bien, ça va, c'est cool. C'est sérieux qu'on puisse regarder les cadavres comme ça? Putain, ça me rend fou, quoi. J'ai l'impression d'avoir un déjà-vu. J'ai l'impression que dans le 2, c'était pareil, que j'avais découvert plus tard qu'on pouvait fouiller les trucs comme ça. Après, j'en ai peut-être pas loupé, hein, mais c'est juste que maintenant, il y en a un, j'en sais rien. Jody. Utilise tes mains. Waouh, c'est un peu nul. Des mines. Mines à gaz. Très bien. Nickel. Après, faut descendre, je crois qu'il y a encore du monde. Ça se passe super bien. Creuser.
Ah là, on va se refaire une petite dose de ferraille et de trucs. Ah, c'est cool. Hein. Oh, oh. Bouge la grue. Requiert de l'électricité. Bon. Levé. Nickel. C'est ça leur bunker? Oh merde, je crois que c'est ça leur bunker. Il y a des robots partout. Canon léger. Ah putain, les trucs ils peuvent pas venir nous aider. Canon léger. Purificateur. C'est mieux que ce qu'on a ou pas? Alors, purificateur. Fais-moi arriver. Non, c'est moins bien. Ok, toi t'as monté le niveau. Survie, pas besoin. Être l'un ou l'autre. Ah, ça y est, elle a 3 points. Y'a ça, ça peut être marrant. Ouais, 25%, blabla. Gagner 50 points pour le coup critique et 2 PA. Ouais, ça peut être sympa. Quand le. L'animal se prend des bonnes baffes. Bon, par contre, fais voir le. Canon. Canon léger. Ah, je crois que c'était une arme. Pression 12% pénétration plus. Et on perd en dégâts. Ouais. J'ai bien envie de. Ouais, de lui mettre. Ouais, mais enfin l'ours, c'est pas comme s'il descendait très bas en vie, quoi. À moins qu'on le défonce. Genre que Thunder, elle y vaille un peu plus franco, genre avec ses armes. Et que quand il brûle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, parce que 25% c'est bas quand même. Si c'était 50% à la limite, bon d'accord. Mais 25%, c'est un peu bas quand même. Ça, ça fait 1 et 2 et on en a 3. Je sais pas. Voir, allez, on va le prendre. On va le prendre quand même. On va le prendre. Il me reste deux trucs. Ça sera pour ça et ça. C'est très bien. Alors, système de défense automatisé Omega Pro. Déactiver les défenses. Wow, mais plein d'expérience. Ah, plein d'expérience parce que voilà quoi. On a désactivé les toiles, je pense. Ah mais ça y est, il nous attaque plus. Ok, cool. Nickel. Merde, c'est quoi ça? Fusil à canon scié, chambre froide, arme de poing, cellule d'énergie. Ouh. Ça peut être pas mal pour... Attends, c'est humain, animaux et mutants. Ah, c'est du froid. D'accord, c'est une arme de... C'est un fusil à canon scié qui fait du froid. Qui utilise des cellules d'énergie. Ah putain, pas compliqué le truc. Faucon des terres désolées. Ok. Ah ben là on discute, là on parle là. Là on parle, Nidog. Attends, déjà c'est un super nom. C'est du calibre 50. 10% de chance d'appliquer armure endommagée, conçue pour percer des trous dans des plaques de blindage et modifier à accueillir des munitions explosives. C'est de l'explosif? Merde, c'est de l'explosif. Ah ouais, 66, 93. 45, 64. Ah ouais, non, là, ça serait mieux, ce serait...
Putain, ça me fait chier. Ce serait nettement mieux sur elle, en fait. Ce serait, mais alors, nettement mieux sur elle. Parce qu'elle est explosive, elle. Lui, il est plutôt énergie. Non ? Non, il est quoi en fait ? Non, il est pas. Non, il est rien du tout lui en fait. Maintenant que j'y pense. Putain, ça m'énerve, hein. On aurait dû mettre un télo sur lui. Hein. Celle, elle est lance-flamme maintenant. Mais bon, maintenant elle a explosif aussi. On fait chier quoi. C'est pas ce qu'elle est au final. Après, on peut changer le type de dégâts du Nidog. Bon, en tout cas, est-ce qu'on l'utilise ou pas? Bah ouais. Ouais, 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 on va le prendre. On va le prendre. Balle explosive. De toute façon, il faut bien faire un choix. Évidemment, on peut pas tout faire, on peut pas tout être, tout faire. Bon, du coup, on n'a pas besoin de défoncer les robots. Bonus de soin, 10%. Mais je suis sûr qu'on peut le faire. Hein. Donc, c'est là où ils entreposaient des trucs, mais ils ont. Ils sont fait défoncer par les robots, apparemment. C'est quoi ça? Bétonnière. Bon, pas besoin de... Après, ça fait des points d'expérience hein, de détruire les robots. Donc à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Non ? Pourcentage de merde. Très bien. Passer le tour. Ouais, bon, c'est des machines, elles n'ont pas peur. Hein. Cool. Sniper de finir le boulot quoi. Voilà. Autant faire ça, hein, c'est bien. Bon, on va se taper les mecs qui restent. Vas-y, fais-moi pleurer. Bam. Voilà, très bien.
Et ouais, on est derrière vous, les mecs. Lol, lol, lol. C'est con. On est derrière vous, vous imaginez un peu ça? Alors, 3, 4, 5, ça va. Boing. On ne pète rien, non, ça va. Cadeau! Oh le bordel. On a fait du gel sur elle, ça lui a quasiment rien fait. Par contre, les autres, ils ont pris cher. On va essayer de lui baisser un peu plus la vie à l'autre qui est derrière. Je sais pas trop comment, mais... Ah, peut-être que je sais. Allez, te loupe pas, hein. Fais-moi rêver. Yes, vas-y, donne-moi un buff. Yes, vas-y, vas-y. Putain, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Nickel. C'est 4 ou 3 pour leur faire peur. Voilà, comme ça. Pour les insulter, pardon. It's good mirrors can't talk. Voilà. Ah, il y a un mec en haut. Mirliton, faudrait que tu aides Quan. Soigne Quan. Fou, fais rien. C'est pareil aussi. Fais rien, Mirliton, c'est très bien. Oh mon dieu, j'y arrive pas. T'as ce bruit de respiration, là, ça rend fou quand même. Nickel. Ah, tu as passé un mauvais quart d'heure, toi. Quand il y a Thunder qui te poursuit comme ça, en général, tu passes un mauvais quart d'heure. Oh merde. Oh merde. J'ai tué l'ourson. Je vais être honnête, je vais recharger la partie. Pas parce que on a tué l'ourson, machin, il est unique. Parce que la bête qui était unique, c'était... C'était qui Billie Jean. L'ourson, il est pas unique. En plus, on en a récupéré un. Pff, je recharge la partie ou pas? Oh là là, fait chier. Cela, c'est un peu l'accident bête, en fait. Oh, et puis, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pensais pas que tout allait péter comme ça. Je pensais que lui allait péter, mais voilà quoi. Oh là là. Quelle merde. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si on recharge ou pas la partie.
Il nous donne quoi, l'ours? Fourrure d'ours. Tu te fous de ma gueule ou... Tu te fous de ma gueule, Fury? En plus, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on a buggé le truc. Attends, si on a buggé, on recharge vraiment. Pourquoi il n'y a pas de countdown? Lien vengeur, tu vas pas me dire que ça reste tout le temps? Notre famille tombe à 25% inconscient, vous gagnez 50% de probabilité de coup critique et 2 PA. Plus 2 PA. Ok, on va voir. Elle a loupé le tir. Non mais attends, tu t'es sans déconner. Alors déjà t'as ce bruit là. T'es à 99% de probabilité de coup critique. Tu te fous de moi? Tu vas rester constamment comme ça? Oh merde, il y en a encore derrière. I see the fuck up Barry visited ya. Ça m'inquiète ces petits bugs là. Oh la vache. Attends, ça m'inquiète ça, ces petits bugs. Tu vas pas me dire quand même que tu vas garder ça à vie? Genre à vie. Je vais attendre le tour prochain là. Oh putain, c'est vrai que ça... Oui, d'accord, j'ai oublié que c'était ça quoi. Je vais être honnête, je veux juste pâcher le tour en fait. Donc je joue un peu à l'arrache. Mais... C'est Fury en plus que tu as mis par terre? Putain de merde. Non mais c'est con, non mais c'est débile. Non mais c'est... Non, ça serait débile. Faudrait que je regarde sur internet. Westland. Je regarderai ça après, je pense. Enfin, quoi, donnez-moi une seconde. Désolé, j'essaierai de couper, mais je vais peut-être pas y penser. Lien vengeur. Parce que là, c'est un peu débile, là.
Le truc, il va pas rester constamment comme ça. Bien complet des compétences, bienvenue. Gros problème au Little Vegas. Je sais pas, faudrait que je regarde. On va recharger. Faudrait que je regarde la version anglaise du jeu. Tu vas pas me dire que tu tues ton truc ou alors tu il descend sous les 25% et après t'as permanent 50% de critique et 2 PA en plus. C'est impossible. C'est impossible d'être aussi pété. Ce serait complètement con. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas écrit le nombre de tours. Parce que les autres trucs, on est d'accord que ça dit le nombre de tours. Au combat pendant 2 tours. Voilà. Alors moi, je pense que ça, c'est... Tant que le pet, en fait, il a 25% de constitution, on gagne 50% de probabilité de coup critique et 2 PA. Par contre, s'il meurt, ben je pense que ça bug. On a fait ça, du coup ? Je m'en rappelle plus. Moi, je pense que ça bug. Ouais. Parce que là, c'est impossible d'avoir ça constamment, quoi. C'est débile. Hein. Putain, on a pris une paire qui est complètement pétée, quoi. Ça serait complètement con. Merde, j'ai pas eu le temps de tirer. Bon, déjà il y a la musique qui est revenue, c'est déjà ça. Ça me faisait chier de pas avoir de musique. Ah merde. Après, imaginons que ça le refasse. Qu'est-ce que je vous dis ? Je vais pas à chaque fois recharger la partie si jamais on a un animal qui crève, quoi. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai bugué le jeu, hein. Casse les couilles. Ah ça, les bugs, hein, ça c'est vraiment une catastrophe. Vous voyez que ça que même... Putain, j'aurais pas dû m'abaisser encore une fois, je fais de la merde. Vous voyez que même les bugs, ça peut aller contre votre progression, mais ça peut aller pour aussi votre progression. Et du coup, ça gâche aussi le plaisir. Ça gâche complètement le jeu. Parce que là, on serait en fait... Si jamais on fait ça encore une fois, si on a vraiment un... Ce buff là constamment, c'est trop puissant.
un peu pourri notre... Ça n'en touche pas le truc. Notre lieu là, on est mal placé, je suis pas super content. Là le lance-flamme il va toucher plein de monde, ça va me faire chier. Fury elle est par terre. Bon ça va, il a tué son pote. Le clone il fait nawak. Ah ça il est monté. Thunder à côté quand même, un peu con. Attends, il y a plein d'explosifs là, tu vas pas me dire qu'on va faire... Ah non, c'est pas des explosifs. Pas des explosifs, mais ça fait quand même des dégâts. Putain de merde. Après moi je pense que c'est parce que le truc il a... On va se mettre là. Je pense que c'est parce que le monstre, le putain de d'ours là, il s'est fait exploser en fait par plusieurs... C'est bien parce que là si ça, on tire dessus, ils peuvent avoir les deux d'un coup, c'est bien, c'est vraiment con ce que je viens de faire. Pas grave. Putain, je fais de la merde, mais d'une force. J'ai envie de recharger la partie tellement qu'elle est pourrie là. Enfin, elle est... Putain, mais elle est à terre, je vous dis en plus. Oh là là. Faut qu'on rentre au QG et tout quoi. C'était quoi ça? Ah, elle a eu le bonus. Bah tiens, lien vengeur, parce que le truc il est bas en vie. Ok, maintenant on va le soigner. Ok, maintenant il a plus de 25%. Voilà, là il est parti. Là il est parti. Le lien, le soin vengeur. Le soin machin, enfin le lien vengeur là. Et si on regarde bien. Après j'ai vu, on a une armure tank. On a une armure tank. On s'en fout un peu quoi. Enfin si, il y a lui qui peut la mettre. Mais on a déjà augmenté l'autre donc on s'en fout. Fais voir. C'est où les critiques? Putain, faut que je recode le jeu moi-même, quoi. N'importe quoi. Premier coup de cri, 47%. Ok, c'est bien. Alors maintenant, ce que je veux tester... On va devoir faire un aller-retour, hein, pour réanimer Jody. On va devoir le faire. Alors ce que je veux tester, c'est... Si on défonce le machin.
devoir avoir bientôt. C'est marrant parce que la vie au-dessus elle bouge pas. Non, ok. C'est bon. Donc là, il y a le lien vengeur qui s'est activé. Maintenant, si on le tue. La recharge. Putain, on prend de l'expérience, je vais pas. Le lien vengeur reste. Oh la vache. C'est débile. Et si je reprends un animal, il reste. Et est-ce qu'on peut avoir deux fois le buff? Ouais, d'accord. Tu peux... Quelqu'un peut être plus compétent? D'accord. Allez. Ok, c'est revenu. Et si je soigne, vite. Si je soigne, ça part. Oh là là, c'est mal codé, putain de jeu, quoi. C'est super mal codé. Donc en fait, c'est ce qui se passe, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que j'aime bien vérifier les choses comme ça. Les gens quand ils disent « Ouais, mais tu parles de bugs et tout, machin. » Ben oui, mais faut vérifier les choses, hein. C'est pas ma faute, hein. C'est comme ça. Donc, pour résumer... Putain, ça va m'énerver, ça. Parce que là, maintenant, on est bloqué avec une perk qui est complètement buggée, qui est complètement pétée. C'est ça, le problème. C'est qu'elle est complètement abusée, la perk. Alors, attends. Est-ce qu'on n'aurait pas... Non mais moi je la prends pas la perk, hein, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que, alors si le monstre, l'animal passe en dessous des 25%, vous avez le buff reste jusqu'à ce que l'animal revienne au dessus des 25%. Le problème, on l'a déjà je pense, non on l'a pas, yes. Le problème... Attendez, parce que je sauvegarde et après on m'explique. Alors, la perk. Lien vengeur, donc qui est complètement complètement débile. Hein. 50% de probabilité de coup critique, c'est énormissime. 2 PA, on s'en fout les 2 PA. Mais 50% de probabilité de coup critique, c'est énormissime. Déjà, on a du mal à arriver à 50%, donc là, on arrivera à quasiment à 100%. Alors, quand l'animal descend sous des 25%, elle s'active. Et pour la désactiver, il faut que l'animal, en fait, revienne au-dessus des 25%. Mais, ils ont mal codé le truc. C'est qu'une fois que c'est en dessous des 25%, et si l'animal meurt, c'est compté comme quoi l'animal est toujours, en fait, en dessous des 25%. Pas qu'il est à 0%, qu'il est genre qu'il n'y ait pas d'animaux. C'est pas compté comme s'il n'y avait pas d'animal. C'est compté vraiment comme si l'animal était toujours en dessous des 25%. Donc, du coup, la perk reste. Enfin, l'avantage reste constamment, genre tout le temps. Genre 100% du temps. Et si on prend un autre animal, on a le lien vengeur qui reste, même si l'animal est à 100%. Par contre, si on descend le nouvel animal à 25% et qu'après on le remonte, là elle se désactive. Parce que en fait la façon dont la perk se désactive, c'est seulement si
si il y a en fait le fait de passer en dessous des 25% jusqu'à plus de 25%. C'est que comme ça qu'elle se désactive. Donc ouais. Donc non, je refuse de la prendre. Non, je refuse de la prendre. Parce que si ça se produit, déjà que notre sniper est super puissant, j'ai pas envie de... J'ai pas envie qu'elle soit bloquée avec une perle de fou, quoi. Nettoyeur de rue, fusil automatique, arme de poing. Non, je suis désolé, je vais pas faire ça, quoi. C'est bien, ça, c'est quoi? C'est un fusil à pompe. Déjà que le jeu est... On est en difficulté la plus élevée. Le jeu est déjà pas... là, enfin, on a passé... on a passé un cap, en fait. Et on est vraiment devenu très puissant. Donc, on va pas avoir des trucs encore plus pétés. Et puis, il y a déjà Jody, là, qui me fait chier avec ça, là. Avec Kill Billy, là. Elle a déjà 0,10 de critique, en plus. Puis cette conne, elle a... En plus, c'est 0,10 de critique, c'est même pas... C'est même pas avec ça, quoi. C'est avant qu'elle ait ça, en fait, qu'elle a eu ça. Qu'elle a eu le bonus. Donc du coup, normalement, c'est 0,20. Un truc que je vais faire, c'est que je vais la remettre à 0, Jody. Je vais voir si ça l'enlève, le truc. La perk. Ah oui, faire ça. Ah, ça m'emmerde, ça. Parce que moi, je veux bien... Parce que si on met la perk, après, je fais attention et tout. Mais ouais, mais bon, si pendant un combat... Imaginez, bah, comme ce qui s'est passé, là. Que mon animal crève. Genre, très vite. Imaginons que mon animal crève, genre le premier tour par exemple. Elle va être bloquée avec genre un 50% de critique pendant tout le combat. Ouais, du coup, bon bah voilà quoi, elle va one-shot tout le monde, genre sans arrêt. Et puis voilà. J'ai pas dit de faire ça, hein. J'ai dit de faire ça, c'est pas grave. Putain, 261 sur un robot, quoi. Hey les gens, est-ce qu'on peut tirer, tuer, détruire les trucs? Je savais que ça allait arriver. C'est vrai qu'il a une bonne portée avec son arme aussi, j'avais un peu oublié ce côté-là.
là. Il faut lui mettre le Nidog à l'autre. Ah là là, ça m'embête quoi. Après on va... Les gens peuvent me dire... Ah mais non, mais le Nidog, il faut... Il faut qu'il augmente. Ah, il faut faire encore un combat pour qu'il augmente. Après les gens vont me dire, ouais mais je sais pas trop péter en fait, c'est pas grave si c'est sur une personne. Mais imaginez, si vous voulez vraiment faire le... Utiliser le vice au maximum. Vous prenez ça et vous le mettez sur tout le monde. Et puis voilà, puis vous tuez votre pet. Vous avez même, vous avez besoin quoi, du niveau quoi, 7. 7. Voilà. Niveau 7 de survie. Alors déjà après vous pouvez faire le coup du virer les gens, les remettre, les virer, les remettre. Comme ça vous avez plein de buffs de pets. Voilà, déjà il y a ça, vous pouvez le faire. Puis après, voilà, vous tuez votre pet à chaque fois. Et vous gagnez. Vous gagnez, tout le monde aura passivement, genre un 50% de critique en plus. Dans un jeu RPG comme ça, désolé, 50% c'est le messie. Hein, c'est, hein, y a, ça faut être d'accord. Hein. Mal. Pas mal du tout, même. C'est pour économiser les balles. Qu'on le fasse péter lui. Personne qui a... Non. J'aurais bien voulu une... Une smoke en fait. Ouais, là on est dans la merde. Quand il y a les deux snipers ont peut-être tombé. Ah, je suis désolé, mais moi ça va m'énerver hein, ce coup, ce bug là de merde. Attends.
va lui baisser un peu la vie. Ah, en plus, c'est un boss. Ah oui, du coup. Du coup, c'est nickel. Parce que déjà rien qu'avec ces trucs là, c'est bonus de dégâts. Genre on a un 22.5, on a un 9% de critique, après ça passera à 10 et ça passera à 25% de dégâts je crois. Vous mettez ça avec le 50% de genre constant du pet là qui crève, de l'animal de compagnie qui crève, ce serait complètement débile quoi. C'est complètement absurde. Donc non. Donc on jouera sans, c'est pas grave. Moi ça m'embête, hein, je vais être honnête, hein, ça m'embête parce que ça m'empêche de jouer comme je veux. C'est bloqué. You need to be put down. Est-ce qu'elle perd son bonus de pas bouger ou alors je l'ai bougé quand je la lève et je la rassois là. Je vois plus son concentration. Elle l'a toujours, mais là je le vois plus le concentration. Quand elle fait une habilité en fait, c'est bizarre. C'est bizarre. Le con c'est que Fury elle va être bloquée avec des avantages. Enfin on a des points d'avantage qu'on peut pas utiliser quoi. Trop bien. Vérifiez vos jeux, putain de merde. C'est quand qu'il monte de niveau lui là? Je lui ai mis le Nidoc tout à l'heure, non? Ou alors je lui ai mis mais en n'ayant pas niveau 7, je me rappelle plus. J'ai fait cette connerie là. On verra ça après. Oh, ça m'énerve. Donc, on a un nettoyeur de rue. Niveau de connaissance. On a passé quelques mois à faire passer notre équipement à la montagne depuis Colorado Springs, mais a été facile. Ok, ça marche. Pas super intéressant. Ah bravo. Ouais, tu peux me désactiver ça sans passer dessus? Merci.
Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Ah ok, oui non, elle peut pas. C'est ce que je pensais. Parce que je me dis, elle est pas aussi élevée. Par contre... Je veux bien récupérer le cerf, parce que le cerf... Je sais pas où on le récupère, le cerf. Enfin, les cerfs, on en a... c'est sûrement notre deuxième. Voilà. Ça me frustre ces problèmes de merde. Bon, ça va, on a fait tout le tour. Ça me gave. Nanana. Je vais arrêter d'en parler, je promets. Allez, on avance. Attends, c'est un des bons capables d'arriver, nous sommes occupés en embuscade et en difficulté, nous montons en régulier compte de vie. Copy that. Just to let you know, things are getting a lot worse up here. Vic is throwing a tantrum and taking out his frustration on my squad and the civilian hostages. I don't know what he's doing to them, but judging by the screams, it can't be good. Hope you're ready to keep kicking ass. Ok. The guards are making their rounds. See you soon. Wilson out. Il y a des cadavres partout, c'est ouf. Trailleuse lourde niveau 17, on a déjà une, je crois, Tennis de la mort, ça me dit quelque chose. Tamis de la mort. Oui, c'est bien ce qu'on a. D'accord, bien ce que je pensais. Par contre, pour l'armure, commando, composite. Composite, elle fait que de la défense en fait. Armure composite, c'est mieux que la tank du coup. Intéressant. Ouais, c'est un peu plus stylé aussi. Armure de commando. Personne n'a monté de niveau, mais bon. Du courant. Bah, faites quelque chose là, j'appuie sur les trucs là. Ouh, merci. Alors, on démarque, il suffit d'appuyer sur le bouton pour activer. Allez jusqu'au sommet. Pour en venir et après j'arrête d'en parler. Si jamais... You're not with that psycho Vic. Please, I don't want to burn. That poor man. Let's get him out of there. Nous libérer.
Je veux pas me forcer à sauver. Le. L'animal de compagnie si jamais on a le buff en fait. Ça va être super relou en fait de jouer comme ça. Déjà que je fais déjà trop attention aux animaux et aux clones et tout ça. The name's Hardy Knox of the Hundred Families. I'd shake your hands, but everything hurts right now. Everything. Qui vous a fait ça? Vic Buchanan. That freak. Buchanan. That monster killing folk. Il les évent tout en rigolant. Okay, cool. Nobody thought Vic would survive. Let alone come back with an army. Ça m'arrive si peu que fait votre famille encore ensuite. Sans entrer dans le chalet, un conseil. Sure. Harden your hearts. You'll see things in there. Things he's done to his hostages, the okay. Other people. And he's not alone. Those breathers of his. Well, I don't know much about him. Il a d'autres hommes intérieurs. Sadistic friends. Same crew that followed him around Colorado Springs. Ok, nous sommes ici il y a peu. Que fait votre famille à Colorado Springs? Comment est-ce que ça marche? Vous êtes prêt à rentrer chez vous? Tu as trouvé un véhicule en état de marche et on marche au camp de base. Especially the ones from the Hundred Families. God protect and preserve you, strangers. Comment on est niveau avec les 100 familles là? Les 100 familles, on est adoré. Ça va. On est hype par les Geepers, ça c'est normal. On est adoré par les monstres aussi. Réfugiés terre adorés. 100 familles, on est très très connus. Ça peut être marrant si genre on est méchant avec tout le monde et tout le monde nous déteste. Ça peut être drôle. Vas-y, prends le lapin toi, t'es assez bonne pour le lapin quand même. Ouais. Non, tu le relâches. Mais oui, parce que t'es glitché, donc t'as pas le droit de pet. C'est fini, t'as plus le droit au pet. Et peut-être un jour, quand je serai bien riche, je te remettrai les points à zéro. Ooh, someone new is here. Someone's in my fucking house. Oh boys, get 'em. Let's go. Alors, on a du mêlée, on a du tir, qu'est-ce qu'on a à gauche? Lance-flamme, mêlée, tir, ça marche. Bon, il y a deux groupes quoi. Tiens, on pourrait sortir et tout. Ça marche! Un truc, j'ai pas compté mes points. Ça va. Hop là. Ça servait pas à grand chose de. Ça servait pas à grand chose en fait de leur réduire les PA si c'est pour faire ça. Sentinelle. Nickel.
Il en est de bon. On aurait dû même mettre une smoke en fait. On se m'étonnerait qu'ils aient des PA par exemple, pour tirer, donc ça va. Ouais, c'est un peu un problème, hein. Faire du feu sur, sur elle va mal se passer, mec. J'aurais dû peut-être un peu m'en douter. On va se faire ces deux-là. J'en étais sûr. Je me suis dit, tu vas voir, ça va exploser, ça va tuer le pet. Qu'est-ce que j'en ai marre? Qu'est-ce que j'en ai marre? C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Je vais pas commencer à faire attention à chaque fois à ce que je fais parce qu'on a des pets. Hein. Ça commence à me gaver là. Ça commence à me gaver. Concentration. Ah bah tiens, on va tester. Ah. Hop, je m'abaisse. Non, j'ai toujours la concentration. Ça. Pas fait attention au pourcentage, c'est un peu ma faute. Ça va. Ah, je vais être honnête, je vais faire un peu moins attention aux pets, parce que quand ça me gave. Parce que tout le monde commence à exploser et tout, je... Oh. On va pas commencer à faire attention tout le temps. Déjà, j'utilise jamais d'explosifs et tout, alors que je peux. Pète un peu, toi. Non, pas ça. Me font chier un peu les lance-flammes. Ah, bien ce que je pensais. Waouh. Ok.
Je sais, c'était risqué. Je m'en fous. Je m'en fous. On va tirer la tête. Ah! Putain. C'est vrai que lui aussi, il y a deux défauts. Il y a deux défenses là comme ça qui s'activent. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est parce que j'ai des points d'AP, je crois, en plus. Est-ce que je peux... J'ai fait zéro dégâts. Ouais, zéro dégâts. C'est ce que je pensais. Oh, on est tous paqués là en fait, c'est con. C'est pour ça que j'aime pas avoir deux snipers. Enfin, c'est lui qui est tombé là, mais. Je vois pas la vie du clone. Je crois que je vais réanimer l'autre. Jody, je crois que je vais la réanimer. Parce que, ou alors on fait un aller-retour, quoi. Stimulateur de masse. Simulateur de masse. Et pour faire les simulateurs de masse, 135 de ferraille et des objets rares. Donc, simulateur de masse, est-ce qu'on l'utilise ou pas? Tu me fais chier là, Jody, d'être tombé comme une conne. Ridley, il est là. Crocheter, enfin c'est impossible de toute façon. On est sûrement bientôt vers la fin en fait. Faudra que j'achète des stimulateurs de masse. Vraiment que j'en achète. Ah, c'est comme ça que ça marche, d'accord. Après ça, je sais pas si elle prend de l'expérience ou pas. Si jamais elle est plus dans le combat du tout et que nous on continue à avancer, je sais pas ça si elle prend de l'expérience. Bon, ça va. Très bien. Riley! Oh my god, Riley! Jody Bell! And you brought the Calvary with you. Yeah. I stand to shake your hands, but around 2 days ago, I missed a call because I was in the can. When I got back, they nailed my feet to the floor. Qu'est-ce qui s'est passé? T'aurais pas à avoir supporté ça. Forgive me if I don't laugh. Been sitting in my own piss for 2 days. Okay. It's not the worst part. They were laughing when they did it. Like kids playing a game. Get me out of this, Rangers! Get these
goddamn nails out of me. Ok. Alors, on a du premier soin. Alors, nous avons les connaissances médicales, on va vous rafistoler. L'écart du bureau pour vous laisser travailler, venez saisir les blessures, retirer les clous, lui donner une piqûre d'antibiotique et placer un bandage sur ses pieds gonflés et sanguinolents. Thank you. Thank you. Oh, poor Riley. All right. On a bien fait de prendre Jody avec nous en fait. Ça fait partie de l'histoire. Situation report before I pass the fuck out. Vic the Patriarch's son is in the Patriarch's wing doing God knows what. Rangers, I can't say this enough. As bad as his guys are, Vic is worse. Much worse. Ce n'est qu'un homme. Maybe. But you take a look around this place and tell me if you still feel that way an hour from now. I heard Ash. It's one of Vic's inner circle. Saying he had the key to the Patriarch's wing. He's in some kind of security control room. Not more importantly, Vic has hostages. Ah, merde. Killed most of them. But two from my team are being tortured. And so are three from the 100 families. I don't know their exact locations. But I strongly suggest you try to find those five hostages before taking on Vic himself. Ça marche. L'exactement de votre équivalent de était captif où sont-ils? Overall, I'm not sure. I know they took Bezepi to a science lab. They have her working with someone named The Gift. It sounds like that big brain of hers is keeping her safe. I have no idea where they took Laloka and Rook. The guards in the lobby kept joking about how lucky I was compared to what Vic was planning for the two of them. I really hope they're okay. What a fucking mess. There's a male, part of the Ward family, and two sisters, part of the Reed family. Can't really say much more. Even before the nails, they kept me locked down. Ah bah putain, dites-nous plus sur les hommes de Vic. Breathers. They never talked to me, but they look tough. I'm not sure what they want, or why they're working for Vic. Parlez-nous de vous. Oui, parce qu'on a le temps. You probably know my brother, General Woodson. Wade. Spent a lot of time helping him. Looks like I got it, huh? Pas trop neuf, ouais. More than I can handle. C'est à cause de votre frère que vous êtes fait ça? What? No. He told me not to go. But I had to, you know? Prove myself. What an idiot, huh? Spent a lot of time behind the radio giving orders. Never getting them. Okay. I have to say, I miss those days now. To think I used to worry about losing my shit in a fight. Puis vous avez eu les pieds cloués au sol et vous avez quand même réussi à appeler de l'aide. Si c'était le cas, vous avez peut-être un calme. Votre frère sera fier de vous. Nice of you to say. Allez, ciao. Yeah, I'll try. Ok. Ah oui, il faut aussi que je marque. Ce bruit quoi. Faut que je marque que on a le vendeur là. Voir le vendeur de Aspen. C'est ça, je vais complètement oublier. J'avais déjà oublié en fait. Ça vient juste de me revenir. Sounds like someone's alive in that room to the left. Hey y'all, I can hear you outside the door. Hello, my name's Ash. I guess I shouldn't tell you that. Anyway, Vic says you can't come in here. Porte blindée, pas si robuste, Ash. Pourquoi pas? Well, this is where all the security systems are. I guess I shouldn't have told you that either. But what the heck? When I said you can't come in, I meant that I got a kill switch in here. Yeah, if you barge in, I gotta kill all the hostages. Ah. I'm sorry about that, but that's what Vic told me to do. Rien ne vous force à faire ça. Yeah, I know, but you know how, like, you end up stuck in a bad situation, and the only way out is to keep doing the stuff you don't wanna? This is one of those things. Ah. Okay, see you. Oh, putain de merde, quoi.
C'est une mission de fou là. On peut crocheter. Ouais d'accord, c'est niveau 1. C'est pour ça en fait, ça fait du bruit. C'est niveau 1, c'est tellement fait exprès, genre on ouvre, le mec il fait tout sauter quoi. Et on perd tous les otages. Sûrement. T'as pas pu le one shot? Merde. Je vois pas ce qu'il y a. Change-moi pas de perso, tu me fais chier. Oh merde. Objet clé de mission, une photo montrée, une mère en robe jaune avec ses trois filles. Vous avez trouvé la photo d'une femme âgée d'âge mûr, accompagnée de trois filles. Peut-être que ici, la photo ne semble pas assez vieille pour être prise en guerre, mais elle se recouvre une couche de poussière, comme si ça faisait des années que personne ne l'avait contemplée. Ok, ça va peut-être nous être utile. Ça me gave. Ça me gave, donc on va rentrer. Je vais faire une pause moi aussi. Je vais en profiter. On va prendre Lucia dans le groupe. Parce qu'on a vraiment besoin de prendre Lucia à la place de Kwon, je pense pas. Mais on va prendre. Je vais prendre Lucia quand je serai au QG pour acheter des. Pour acheter des objets là pour réanimer les gens. Parce que là, ça devient absurde. Personne qui a monté de niveau. Ça devient débile. Je prendrais bien en fait Lucie avec nous pour pouvoir aller acheter des objets, mais bon. Comme j'ai dit, elle va pas être très très intéressante en fait pour si jamais on doit, je sais pas, faire du bluff pour sauver des otages et tout ça. Il nous faut Kwon en fait. Il nous faut absolument Kwon avec nous, juste au cas où s'il y a des trucs comme ça. C'est ça en fait. Je préfère prévenir que guérir. Je sais qu'elle a été ramenée à la vie, mais on va la soigner parce qu'elle a sûrement plein de trucs. Voilà, 4, c'est bien. I saw Riley's foot wounds. You didn't do too bad a job there. What do you need, Rangers? Of course, have a seat. Ah, Riley, il a été ramené du coup ou pas? If it ain't cut, don't stitch it. Hello again, Rangers. Ça va, Lucia? There is still injustice in the world, isn't there? Let's go. Let's go. Elle a monté de niveau, je vais le voir.
Oui, on a un nouveau fusil à pompe pour toi. Je sais pas ce que t'en penses. Ah mais non, il est déjà 21 le nôtre. Ouais, non, en fait, non. Non, mais laisse tomber, oublie, parce que là, on est de la merde, en fait. C'est celui-là, 17. Elle est stylée comme ça, j'aime bien, moi. Une petite cow-boy, là. Elle est devenue un super warrior, là. Stimulateur de masse. Ah, ça fait cher, hein, mais bon. Ouais, comme ça, on n'aura plus de problème. Et je vais être honnête. On aurait pu peut-être aller au bizarre. Mais je sais plus s'ils vendent des trucs de soins. Non, je crois pas. Je crois pas qu'ils vendent des trucs de soins. Mais le bizarre reste encore le moins cher. Hey buddy, want a drink? You don't. Well, how about a drink then? Leave me alone. Fine, more for me. Ah, Jody, elle est là. Ready to roll, Rangers. You bet. Ready when you are. Nickel. Je vais voir eux s'ils ont rien à me dire. Soldats, bots. Quoi? Soldats. Ok. Non, il y a rien de. Ah, un spécial. Ah oui, il faut un nouveau pet. Ça, on a fait exploser Winnie. On pourrait peut-être prendre le. Chèvre des montagnes. On a plein de chats, on pourrait faire brûler des chats. Ou un chien. On va prendre un chien pour changer. Je vais plutôt prendre genre des animaux comme ça un peu au hasard maintenant. Genre on prenait toujours un peu optimisé et tout, mais quand on aura des gros combats on pourra, mais là. Autant prendre juste un chien, c'est très bien. Puis si ça crève, ça crève. C'est pas ma faute. Enfin, sûrement. Tout à l'heure, on a fait sauter des mecs, il y avait l'ourson à côté. C'est sûrement ma faute. Mais on est là pour sauver des gens. Ok, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Je vais réfléchir en fait sur quoi augmenter les gens, ce qui pourrait être mieux, mais chasseur d'animal, précision. Je sais pas trop quoi lui mettre à elle, en plus. On a de la survie et tout. Truc de la science étrange. Ça reste quand même le plus intéressant quand on fera du robot. Enfin, si ça arrive un jour, j'ai envie de dire. Allez. On va sauvegarder ça. Ah, cet épisode est un peu bizarre. Avec les problèmes là des skills, le jeu qui est buggé, les développeurs qui savent pas coder leur jeu et qui font pas attention comme d'habitude. Putain, qu'est-ce que ça me rend fou, quoi. Ça pompe l'air, hein. Ça pompe vraiment l'air. J'suis en train de me dire, Jody, on pourrait peut-être la changer complètement. Ah, c'est combien maintenant? Ah oui, d'accord. Avant, je voulais... C'est ça que je voulais voir. Genre... Quel prix il faut payer pour remettre une personne à zéro? Parce que Jody, honnêtement, je l'aime pas du tout. En tant que sniper. Rangers, good to see you. Sure thing. Let's have a look. 1050. Ah, mais j'en avais fait que 3, c'est vrai. Donc je suis au 4ème, donc ce serait 1050.
C'est Zeus qu'on n'avait pas refait. There you go. Anything else? I'll be here. Mais Zeus c'est très bien du coup au final. Donc on n'a pas besoin de le refaire. Non, on n'a pas besoin. Mais elle, j'ai envie vraiment de la refaire en fait. Parce qu'elle me sert à rien comme ça. En tant que sniper, elle me sert à rien. Il me faudrait... Parce qu'on a elle qui défonce tout. Honnêtement, on pourrait en faire un fusil d'assaut. Qu'est-ce qu'on a? On a deux fusils d'assaut. On a Sentinelle et Quan. On a un sniper. On a deux armes lourdes. Mais bon, les deux sont très différents maintenant. T'as elle lance-flamme, tank. T'as Zeus qui est... Qui est spécialiste avec les machines. Même si l'arme lourde, honnêtement, ça sert plus à rien, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre si on met pas d'arme lourde? Enfin, en fait, on a des armes lourdes de merde, c'est ça le problème. C'est juste ça. Après, on a un mêlé qui est extrêmement bon aussi. Scott avec les grippins, honnêtement, bah, bof. Enfin, Lucia est mieux. Lucia, elle est très bonne au pistolet, au fusil à pompe. Enfin, surtout au pistolet, donc elle reste. Il y a elle qui sert à rien en combat. J'ai envie de dire que même Scott, il est plus intéressant qu'elle, quoi. Parce que elle fait pas des gros dégâts. Déjà, elle fait peu de critiques. 20%. 47%. Elle fait pas des gros critiques. Enfin, elle fait pas des critiques souvent. Elle fait mal de temps en temps. Oui, enfin, les critiques, ils sortent très peu, donc ça, c'est chiant. Nous, on a une chance sur deux de faire un critique quasiment avec ça, avec son équipement et puis ses stats et tout ça. Tueur en série et tout. Elle a juste emplacement rapide. Faudrait lui augmenter la chance à mort. Pourquoi elle a autant de critiques, la nôtre, et elle non? C'est ouf ça. C'est pas que l'arme. Je sais pas. Mais ouais, elle faudrait en faire un fusil d'assaut. Je vais réfléchir, je vais voir si je la refais ou pas. Et honnêtement, je voudrais bien que ce truc disparaisse aussi. Ouais, je vais peut-être la refaire, Jodie, pour qu'elle soit un peu plus intéressante. Parce qu'honnêtement, elle est inutile. Elle est inutile. Le mec en mêlée, on peut pas le refaire parce qu'il a... Enfin... Il a genre un attribut qui augmente l'armure de 4, c'est énorme. Elle, je vois pas ce qu'elle peut faire en fait. Elle peut faire une sorte de support. Mais je pense qu'un autre fusil d'assaut serait pas mal, pas si mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... Bon, bref, je vais réfléchir. À la prochaine, ciao ciao.